Si dans les 5,07 prochaines secondes, tu ne t'abonnes pas à ma chaîne et que tu ne likes pas cette vidéo, tu ne pourras pas récupérer le katana Deadpool dans ton casier Fortnite. Donc vite, abonne-toi vite à ma chaîne et like vite cette vidéo pour récupérer le katana Deadpool dans ton casier Fortnite. Bon, aujourd'hui les gars, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait gagner un skin shot de la boutique à un abonné. Donc tout simplement les gars, pour participer, c'est très très simple. Vous avez juste à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Et les gars, j'insiste bien sur activer bien les notifications, les gars, c'est vraiment très très important. Vérifiez bien qu'elles soient activées si vous êtes déjà abonné. Pour la deuxième condition, les gars, il faut tout simplement vous abonner à mon Instagram. Mon Instagram sera dans la description de cette vidéo. Et c'est très très important, les gars, car tout simplement, les résultats des concours se font sur Instagram. Donc très très important, mon Insta est dans la description. Ou sinon, vous allez sur Instagram, vous tapez Kickle14, comme mon code créateur d'ailleurs. La troisième condition, mettre mon code créateur Kickle14 dans la boutique Fortnite. KIKLE14 en minuscule ou en majuscule, clairement peu importe tant que vous le mettez dans la boutique. Et bien évidemment les gars, par la suite, n'oubliez pas de me mettre votre pseudo Epic Games dans les commentaires. Je tiens à préciser que le spam de vos pseudos dans les commentaires est autorisé. Donc vraiment mettez plein de fois votre pseudo pour avoir plus de chances de gagner un skin de choix de la boutique. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Nouvelle vidéo sur Fortnite. Dans cette vidéo les gars, aujourd'hui on va tout simplement les gars parler de cette récompense gratuite Deadpool qu'on va tout simplement les gars pouvoir récupérer dans notre casier. Je vais vous montrer comment on va pouvoir la récupérer, comment on l'a tout simplement en jeu, comment on fait pour l'avoir dans notre casier Fortnite et comment, où on peut la récupérer, quand, enfin bref, je vais tout vous expliquer toutes les informations en détail sur cette récompense, donc qui est le katana de Deadpool. Comme d'habitude les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne ou que vous n'avez pas encore activé les notifications, je vous invite à le faire car on rush les gars les 300 000 abonnés. Un grand merci les gars pour les 211 000 abonnés, donc un grand merci à toutes les personnes qui s'abonneront encore par la suite. Franchement les gars, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas les gars, on rush les 300 000 abonnés, excusez-moi, j'ai dit 3 000 abonnés, non mais les 300 000 abonnés. Un grand merci encore, voilà, pour les abonnés. Franchement, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos potes, à vos amis sur Snap et tout. Franchement les gars, ça me fait super plaisir. On n'oublie pas de lâcher son plus gros pouce bleu. On rush les 3500 likes comme d'habitude. Je sais que vous en êtes largement capable. Du coup voilà, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Voilà, le petit pouce en l'air pour lâcher votre plus gros like. On n'oublie pas, code créateur Kickle14 dans la boutique Fortnite, KIKLE14 en minuscule ou en majuscule. Et du coup, sans plus parler et sans plus tarder, bonne vidéo à tous. Du coup les gars, dans cette vidéo, comme vous auriez pu le voir au titre et à la miniature, puis même comme j'ai pu le précisé en début de vidéo, on va tout simplement les gars parler de cette récompense gratuite Deadpool. Donc tout simplement les gars, ce katana, donc qui fait du coup office de sac à dos. Faut savoir les gars que dans les fichiers du jeu, on a tout simplement les gars, excusez-moi, on a tout simplement trouvé une récompense qui sera un katana, donc en gros comme j'ai dit, qui sera office de cadeau et qu'on pourra tout simplement débloquer avec les nouveaux défis de Deadpool qui vont arriver par la suite. Justement, on va en parler juste après. Donc les gars, déjà ça veut dire que le sac à dos katana sera débloquable gratuitement pour toutes les personnes bien évidemment qui arriveront à réaliser les défis Deadpool. Je le rappelle les gars, les défis Deadpool, vraiment ils sont très très simples, donc sur ça ne vous inquiétez pas. Pour vous dire les gars, il y a un des défis, c'était ne pas remercier le chauffeur de bus, donc en gros vous lancez une game normale. Voilà les défis Deadpool les gars, on va pas se mentir, c'est un peu des défis en mode troll de la part d'Epic Games. Donc franchement voilà, ça c'est cool, c'est vraiment des défis très très simples. Sur ça j'avoue que Epic Games, ils ont plutôt été cool avec nous, avec nous les joueurs. Et là du coup les gars, vous allez me demander, mais Kickle, comment on fait pour récupérer ce katana, ce sac à dos? Bah les gars, c'est très simple, regardez les gars, je vous mets un screen des deux semaines prochaines qu'on a simplement trouvé dans les fichiers du jeu des défis Deadpool. Donc on a tout simplement, excusez-moi, trouvé les gars les défis de la semaine 3 donc de Deadpool et les défis de la semaine 4 de Deadpool les gars. Donc tout simplement je vous les affiche à l'écran. Donc pour le premier défi de la semaine 3, on a tout simplement les gars trouvé les toilettes en gros dans le repère de Deadpool. Donc ça à mon avis, je pense que vous le savez tous. Pour le deuxième, on devra tout simplement détruire les toilettes. Donc voilà, pareil, un défi à mon avis qui est assez simple. Alors détruire les toilettes, on n'est pas précis, est-ce que ce sont tout simplement détruire des toilettes dans le repère de Deadpool ou même dans le QG, ou alors est-ce que ce sont détruire des toilettes en game. Bref, on n'a pas encore la source exacte, la source officielle. Pour le premier défi du coup les gars de la semaine 4, on a simplement du coup, là c'est là qui est intéressant, c'est là que je voulais en venir, trouver le katana de Deadpool. Et comme vous le savez les gars, à mon avis, quand Epic Games nous donne quelque chose à faire, à réaliser, puis surtout quand c'est un objet, un cosmétique, enfin une cosmétique, excusez-moi, qu'on peut tout simplement chercher et trouver, à mon avis on va pouvoir le récupérer. Donc à mon avis les gars, pour le premier défi de la semaine 4, donc en
en gros dans 2 semaines, ouais plus une semaine et demie j'ai envie de vous dire, on va tout simplement les gars pouvoir récupérer le katana Deadpool et du coup le débloquer dans notre casier, bien évidemment à condition de le trouver. Alors pareil, est-ce qu'il sera en game, genre en battle royale, ou alors est-ce qu'on devra toujours rester sur l'interface du jeu, que ce soit au lobby, enfin bref, peu importe. Et pour le deuxième défi les gars de la semaine 4, on aura tout simplement faire des dommages, voilà, aux structures. Bref, du coup, à voir ça par la suite. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Est-ce que vraiment Epic Games va nous donner ce katana ou pas? Voilà, comme je vous l'ai dit, je tiens à préciser, ce n'est pas une source officielle. Enfin, je vais pas vous dire que c'est officiel qu'on va pouvoir récupérer ce katana, mais c'est ce qu'on a tout simplement trouvé dans les fichiers du jeu. Donc voilà, je préfère pas vous dire qu'on va pouvoir le récupérer à 100%, mais clairement les gars, pour moi, à 99,99%, on va tout simplement pouvoir le récupérer. À mon avis, c'est pas pour rien qu'Epic Games nous fait trouver un katana, parce qu'ils auraient pu très bien nous faire trouver une brique de lait comme on l'avait déjà eu, mais genre à tout un autre truc, par exemple une chaise ou je sais pas, une table ou un ordinateur ou un truc comme ça. Voilà, Epic Games, ils ont vraiment préféré nous faire trouver une cosmétique. Donc à mon avis les gars, ça veut tout dire, ça veut dire que par la suite on va tout simplement pouvoir récupérer ce sac à dos dans notre casier Fortnite, enfin du moins ce katana. Du coup les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. Du coup voilà, vous êtes au courant des nouveaux défis qui vont arriver, donc les premiers défis de la semaine 3, je rappelle il y a 2 défis par semaine, donc voilà. Donc du coup les gars, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant les notifications. On rush tout simplement les gars les 300 000 abonnés, donc un grand merci à toutes les personnes qui s'abonneront, Quête Créateur, Xtiol14 dans la boutique Fortnite. On n'oublie pas de lâcher son plus gros like. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kickle, Code Créateur Kickle14 dans la boutique. Allez, ciao tout le monde.